Bonjour. Pour apprendre à votre enfant à faire des lignes brisées, utilisez du matériel. Des petits objets de la vie quotidienne comme des cure-dents, des couteaux, des cotons-tiges, des caplas si vous avez. Et faites-lui faire des lignes de lignes brisées les plus longues possibles. Ça peut être aligné sur une latte de parquet, aligné sur du carrelage, sur le bord d'une table. Et on commence à poser un premier bâton penché. On vient faire toucher le deuxième qui descend. On monte, on touche, on descend. On monte, on touche, on descend. Vas-y, tu peux continuer. Touche et on descend. Donc attention, là tu es descendu trop bas parce que la ligne était ici. Donc il faut bien se mettre, toucher en haut et en bas, ça doit être sur la ligne. Vas-y, continue. On monte, on touche. Et on descend. Et là, ça doit bien toucher la ligne. Donc, si ça ne touche pas la ligne, tu remets bien penché de ce côté-ci et tu viens le faire toucher pour que ça touche bien la ligne. On monte. On touche. C'est un peu trop écorté. On descend. C'est un peu trop écorté. J'ai un tout petit peu dépassé la ligne. Alors, tu remontes un petit peu avec ton doigt. Comme ça. Voilà. Celle-là, c'est trop écorté. Non, c'est bien comme ça. On monte. Voilà, on touche bien en bas. On touche en haut. Il est trop gros. Et en bas. Il faut bien toucher en bas. Ici, ça ne touche pas en bas. Il faut que les deux se touchent sur la ligne. On monte. On touche. On descend. Et là, votre enfant va le plus loin possible.